Un entrepreneur est celui ou celle qui entreprend sa vie. C'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est le fait d'être en mouvement. C'est être capable de rêver un projet qui te ressemble. Un projet qui te fait vibrer. Un projet dans lequel tu auras envie d'investir, de pouvoir résoudre un problème et de gagner en même temps de l'argent. La notion de l'entrepreneuriat est d'abord, de manière détaillée, une façon d'être, une posture, une façon de voir autrement le monde, une façon de contribuer à un monde meilleur. Pour devenir un bon entrepreneur, il faut avoir ces quatre caractéristiques. Premièrement, la vision. Deuxièmement, la motivation. Troisièmement, la résilience. Et enfin, la connexion. La vision, c'est la base de l'entrepreneuriat. C'est le pilier dans lequel l'entrepreneur doit avoir la capacité de visualiser, la capacité d'oser, de créer ou d'innover. Deuxièmement, un entrepreneur doit être une personne motivée. La motivation est l'essence même de l'action. Il existe trois types de motivation, à savoir la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation prosociale. La motivation intrinsèque, c'est le type de motivation qui vient de l'intérieur. La motivation extrinsèque, c'est le type de motivation qui provient de l'environnement, qui provient de ce qui vous entoure. Et la motivation prosociale, c'est le type de motivation qui dépend sur la volonté, bien le vouloir aider les autres. Par exemple, le fait de rencontrer des talibés sur la rue et d'avoir l'ambition de les aider. Ou bien de rencontrer des personnes handicapées, voire même des personnes, ou bien des familles démunies. L'exemple typique de ce type de motivation, c'est Mère Teresa avec la création de la Maison de la Charité. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de liker, de partager aussi. J'attends vos commentaires.